Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Alors, on va parler de politique provinciale avec le député du Parti québécois en Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. M. Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Très content de vous avoir en cette belle journée pluvieuse. On ne sait pas le 1er octobre quelle journée il fera, mais au moment où on enregistre, c'est quand même... C'est pas chaud. C'est quand même assez triste, mais on est rendu là. On est là, il n'y a pas de problème. On est des Abitibiens, faites fort. Voilà, exactement, M. Gendron. M. Gendron, moi j'aimerais qu'on ne passera pas l'émission là-dessus, c'est sûr, mais quand même, il s'est passé quelque chose en Écosse le 18 septembre dernier, un référendum. Bon, c'est le sujet de discussion de temps à autre ici au Québec. On essaie de l'éviter, mais malheureusement, et heureusement, ça revient, c'est libre à tout le monde. Le 18 septembre dernier, en Écosse, bon, le nom de l'emploi, on ne s'enfargera pas d'un fleur du tapis avec des 0,05%, etc., là, mais le nom de l'emploi, 55% contre 45%. Au Québec, en 1980, le nom de l'emploi, 60% 40%. Et plus près de nous, en 1995, au Québec, le nom l'emporte 51% 49%, 35 000 votes à peu près qu'on aurait pu devenir un pays. Est-ce que, M. Gendron, on peut faire une certaine similitude entre ces trois événements-là? Pas vraiment. Oui, par le sujet. Oui, par le sujet très calmement, là, dire aux gens, ben oui, le sujet, c'est une consultation. Ça vous tente-tu de devenir un pays normal et complet? Parce que la question était simple. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Alors, on peut faire des comparaisons sur la raison d'être d'une consultation populaire. Et là, puis même au contraire, c'est très d'actualité, contrairement à ce que les gens pensent. Mm-hmm. C'est que les gens, ils ont dit, en Écosse, ils ont dit, quand ça se fait dans la démocratie, que les deux parties concernées sont objectives, honnêtes, franches, et que tout est sur la table, c'est un exercice digne, noble et moderne. C'est ça qu'on a dit. Mm-hmm. Et là, ici, on a tout mêlé. Dès qu'on prononce le mot, il que chale moins pas que le référendum, alors que... On devrait tout être favorable à une consultation populaire. Pour le vrai, c'est les principes mêmes de la démocratie. Ici, le drame, c'est qu'à chaque fois qu'on prononce le mot référendum, on ne parle pas de l'option. Non, non, mais on n'a pas le temps de parler du pourquoi de la souveraineté. Oui, exactement. Puis on va faire juste une parenthèse vitement, M. Gendron, et on en a parlé ensemble aussi. Lorsque le Parti québécois veut mettre à l'avant-scène un référendum, les séparations du Québec. Appelez ça là, comme vous voulez. Là. Bon. Quand on veut mettre ça à l'avant-scène, on se fait dire Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et honnêtement, le 7 avril au soir, on l'a vu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est clair. Mais c'est l'article numéro 1 de votre raison de vivre. Non, l'article numéro 1, c'est pas le référendum, c'est un pays complet. Ouais, mais, oui, mais... Mais oui, c'est pas pareil, pantoute. Non, 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 mais quand même... Oui, oui, exactement. Parce que l'article 1 est là, oui. Puis il faut qu'il soit débattu, il faut que vous en parliez. Mais moi, ce que j'ai beaucoup de difficultés, c'est que depuis le 7 avril passé, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, de n'importe quel parti politique, puis vous allez être d'accord avec moi là-dessus, j'en suis persuadé, M. Gendron. Les gens me disent tous, oui, mais... On n'a pas de renseignements, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si on devient un pays complet. Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Non, mais restons là-dessus. On est d'accord, le peuple a raison. Ce n'est pas normal que le dernier document éclairant là-dessus, il est rentré dans chacune des familles, mais c'est en 95. On est en 2014. Voilà, exactement. Donc, là, on devrait arrêter là parce qu'on vient de toucher le point essentiel. Le point essentiel, il n'est pas question de refaire cet exercice-là si on ne donne pas des réponses claires aux questions posées. C'est pas compliqué, ça. Oui. Un référendum, pour qu'il soit démocratique, et ça ne me tente pas d'acheter, moi, des opinions publiques parce qu'ils ne savaient pas. D'abord, ça nous mènerait nulle part. On questionnerait la reconnaissance future, supposons qu'on l'aurait. Donc, il y a de six moyens, là. Moi, je vous jure que je vais rester un ardent défenseur du pays normal et complet, mais tout ça attend. On répond aux questions. Dans un document comme l'Écosse l'a fait. Alors, votre première question, c'était, y a-t-il des similitudes? Ben, je comprends qu'il y en a. Ils nous ont indiqué quoi faire. Dorénavant, s'il y avait une autre consultation sur la question du pays normal, complet, adulte, mature, puis ainsi de suite, là, il faut répondre aux questions parce que les citoyens du Québec ont le droit
d'avoir des réponses le plus claires possible à leurs questions. Ça s'appelle la transparence. Et surtout, M. Gendron, vous allez être d'accord avec moi aussi, une question nette, courte et claire, claire, précise, oui, oui. Et courte, oui. Surtout. Oui, pas 12 phrases pour arriver à la fin. Non, c'est oui ou non. On est tous d'accord. Hein? L'exemple est tellement frappant qu'il n'y a des, pas question d'autre chose qu'une courte phrase. Monsieur Gendron, il va y avoir une course à la chefferie au Parti québécois. Quand exactement? On ne le sait pas. Je, peut-être dans le grand secret des yeux, peut-être que vous, vous en avez une vague idée. Peut-être, quelque part, au printemps 2015, c'est en tête. Disons qu'on s'achemine vers une course à la chefferie. Elle n'est pas officielle encore, mais c'est sûr que ça va prendre un ou une chef. On va faire un peu de coq à l'âne sur ça, si vous me permettez, parce que réellement, il faut aussi en parler. Est-il normal que, vous allez me dire oui, parce qu'il n'y a pas de course officielle, mais il n'y a personne encore qui a, parce qu'il n'y a pas de règles de définies, on est après le faire probablement, mais qu'aujourd'hui, on suppose qu'il pourrait y avoir 8 ou 9 candidats environ, mais personne n'a dit encore clairement, on sait que les Drainville, Lisée, Pécopé, ça va tout se présenter possiblement. Mais là, c'est normal qu'au mois d'octobre, oui, il y a encore personne qui a affiché ses couleurs directement. C'est normal parce qu'on fait partie d'un parti démocratique avec des instances. Le monde sait sûrement ce que ça veut dire. Or, c'est quand l'émission va passer, là, parce que c'est le 1er octobre. Bon, alors, oui, il va rester 3 jours à temps. Alors, tout est cané, mais ça va venir des militaires du parti. C'est pas aller le parlementaire, choisir un chef, ça va m'arriver. Un chef intérimaire, oui. Oh, oui, mais un chef permanent, ça appartient au parti. Êtes-vous au courant que le 4 octobre, il y a de la conférence des présidents et des présidentes, 125 comtés, l'aile parlementaire, l'exécutif national, ainsi de suite. Bon, les 400 personnes, démocratiquement tout le Québec, ils vont dire, voici les règles de la course, le financement de la course, les plafonds de la course, le nombre de signatures à accueillir, et là, vous allez entendre, parce que vous n'aurez plus le droit au moins de répéter. Puis, c'est pas contre vous, là. Vous dites 8, 9, il y en a qui s'amusent à 10. Il y en a déjà 3 qui ont dit non. Mais ils continuent à compter des 8. Véronique Yvon, entre autres, qui a dit oui, Véronique Yvon, puis Sylvain Godot. Ah oui, c'est vrai aussi. Ah bon. Sylvain Godot. Tu sais, puis tu le dis à des chevronnés, là. Mais ils continuent à répéter 9, 10, ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce que tu veux? On est obligé de faire face à ces folies-là. Mais oui, mais c'est ça. Non, mais c'est aussi démocratique. Oui, mais c'est même pas vrai. C'est même pas. Il va en avoir, comme dans n'importe quelle course, 3-4. 3-4, peut-être 5. Okay. Mais après que les règles sont fixées, et c'est normal dans un parti d'attendre que les règles soient fixées. Vous m'avez dit au début, est-ce que vous le savez? Ben oui, je le sais. Mais je respecte les décideurs. Oui. Moi, je suis pas un décideur. Au caucus, ils nous l'ont montré, les différents scénarios. Il y a A, il y a B, il y a C. L'exécutif national doit faire 2 mois qu'il travaille d'arrache-pied là-dessus, le président, l'exécutif national, puis le DG. On est chanceux, il n'y a pas trop eu de coulant. Ça n'a pas trop coulé, les règles. Pas coulé. Fait que là, c'est rare. Bon, là, le 4, ils vont dire, voici les règles. Est-ce que ça me tente d'en parler? Non. Je veux laisser ça. Parce que, supposons que c'est le scénario B, moi, que je privilégie, mais c'est le D qui parle, j'ai l'air fait. Alors, attendons donc la décision des militants, puis ils vont rester 3 jours entre le moment de l'émission, puis ils vont voir tout ça dans les journaux 3 jours plus tard. Monsieur Gendron, il y a Jean-Martin Hossan. Il a fait une déclaration qui en dit vraiment long. Là, je n'ai pas le mot à mot. Là, il a fait référence avec le bateau qui avait coulé, etc. Bon, ça a froissé plus d'un au parti. Puis je pense qu'on s'est retenu aussi pour ne pas partir de polémique là, avec ça. Je pense qu'on s'est retenu. Mais il semblait dire, M. Hossan, que de tenir la vieille garde éloignée un peu de la chefferie, autrement dit, là, sortez la vieille garde du Parti québécois, puis recommencez sur des bases solides quand même, elles sont solides aujourd'hui, mais encore plus solides avec peut-être de la jeunesse, des nouveaux visages, des nouveaux noms. Il se mêle de quoi, juste, monsieur? S'il y a vraiment de bonnes idées, mais qui s'en viennent avec vous autres, probablement? Bien, c'est ce qu'on a dit. Mais là, regardez, ça, c'est encore là, il ne faut pas être très long là-dessus, parce que Jean-Martin Hossan, qui est un type important en termes de capacité de réflexion, c'est un gars intelligent, mais il a formé un parti politique qui s'appelle OUN. Donc, tirer sur un adversaire, parce que lui, il a déjà été péquiste, mais là, lui, il prétend qu'on peut devenir souverain uniquement parce qu'on le dit.
Owen, vous savez c'est quoi? Option oui, nationale. Option nationale, c'est oui. Dès qu'Option nationale a 61 députés et demi, là, je fais le fou un peu, même pas 63 plutôt. 63, oui. 63, oui. Allons-y. 126. Québec est souverain. 125, excusez, oui. Nous, okay. On pense que c'est réaliste. Est-ce qu'il a le droit de continuer à prétendre ça? Ben oui. Mais ça donne ce que vous voyez, 5-6 % d'appui populaire, puis ça va bouger, puis ça ne bougera pas. Donc, c'est ça qu'il faut voir, là. Donc, moi, je ne serais peut-être pas de parler davantage de Jean-Martin Aussin que je non, respecte. C'est ça. Mais c'est réglé, puis est-ce qu'il a tiré dans le flanc? Ben oui. Est-ce que, pensez-vous qu'on ne sait pas qu'on doit renouveler le parti? Véronique Yvon, ça s'appelle renouveler. Alexandre Cloutier, c'est renouvelé. Moi, je pourrais faire une liste, là, de jeunes. Ben, écoutez, il y en a 30 élus, là. Mm-hmm. Puis dans les 30 élus, là, il en reste 2 ou 3 qui ont un peu d'expertise. Bédard, Gendron, Nicole Léger, c'est fini. Pas okay. Si donc, il y a 27 jeunes, il y a 27 nouveaux que je connais, mais à peine, parce qu'il ne se fait pas longtemps qu'ils sont. Oui, parce qu'ils viennent de... Ouais, c'était pas longtemps qu'ils sont. Pas si pire, ça, 27. On va prendre de quelques noms, là, oui, très vite, pour finir avec ce sujet-là. Là. Alexandre Cloutier, député du... Il va être dans la course. Moi, je prédis ça. Saint-Jean. Propose que le vote à la chefferie soit ouvert à tous les Québécois plutôt qu'aux seuls membres du parti. Ça, j'ai resté, moi, tellement surpris d'entendre ça. Le gars, là, si je comprends bien, là, qu'il a sa carte du Parti libéral, de n'en sais pas, je vais pouvoir aller voter selon ce qu'il demanderait, pourrait aller voter pour... Non, il y a des règles. Ben, il y a des règles. Vous faites bien, c'est parce qu'on appelle ça une primaire ouverte. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs pays qui l'ont tenté? Oui, dont la France. Dans les primaires ouvertes, c'est pour dire un parti qui est progressiste. Même les libéraux reconnaissent que le PQ est plus progressiste que l'autre. Pour le vrai, là. Même un libéral peut reconnaître que le parti québécois, ses racines, sa base, est social-démocrate. Puis lui, il peut dire, votre souveraineté, je voudrais savoir. Mais parce que vous êtes un parti progressiste et social-démocrate, ça me tente d'avoir l'occasion de mettre mon mot dans la course au leadership, sachant qu'il n'y aura pas le dernier mot. Parce que là, supposons qu'on aurait le temps d'en jaser, là, j'expliquerais que ça, c'est dans le troisième tour, au deuxième tour primaire ouverte, okay. Pour être certain qu'à la fin, vous avez raison, qu'est-ce que j'ai dit en ouvrant l'émission? Dans une course, c'est normal que le chef final ou la chef soit choisi par les membres de ce parti-là. Voilà. Donc, c'est clair qu'à la toute fin, peu importe les artifices entourant la course au leadership, à la fin, c'est les militants qui vont choisir le chef ou la chef. Okay. Jean-François Lisée, député de Rosemont, le Parti québécois devrait renoncer à l'idée de référendum lors de la prochaine élection. On tente, on veut repousser. Lui, ça me surprend un peu qu'il dise ça. C'en est un, sur que, à mon avis, il était pressé d'en faire un. Oui, sauf que là, il y a eu le verdict populaire. Puis moi, je ne suis pas en train de défendre rien, j'explique. Parce qu'il c'est parce qu'il y a des noms qui sont là. Mais Jean-François, ça ne me surprend pas parce qu'il a tellement participé avec les chefs, il a joué un rôle tellement important, que Jean-François arrive à la conclusion qu'à un moment donné, là, nous autres, d'abord, je trouve que ça a de l'allure sur l'affaire parce qu'il dit on va faire la proposition d'un référendum sur le pays complet tant qu'un beau pouvoir. Avec la volée qu'on a mangée, là, on ne sait aucunement qu'est-ce qui peut arriver. On a-t-il des chances à pas grand-temps? On ne le sait pas. Donc, il disait, lui, là, il pense qu'on n'a plus de chance de former le prochain gouvernement si on dit, garde, on va vous sacrer patience avec ça dans un premier mandat de gouvernement. C'est ce que les gens veulent aussi. Voilà. Bien, vous l'avez dit au début. C'est ça. Donc, c'est drôle pour quelqu'un, il n'est pas si déconnecté que ça. Il est capable de lire le peuple. Oups, parce que ça se peut parce qu'il a écrit beaucoup sur M. Lévesque, il a beaucoup lu sur M. Lévesque. Oui. Alors, moi, ça ne me déplaît pas. Mais je ne suis pas en train de faire de la propagande pour François, là. Non, du tout. C'est qu'on prend quelques noms, tout simplement. Je suis en train d'expliquer, c'est pas bien. C'est ça. Et ce sont des déclarations que ces personnes ont faites. Exact. On va en prendre juste une autre. Je n'ai pas contesté, là. Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, repoussé en 2023 la tenue d'un référendum. Enfin, quand on part, puis on regarde ça, on pousse. Oui. On pousse, ça ne presse pas, puis on pousse, puis ça ne presse pas. Mais là, fais attention. Le référendum, je l'ai expliqué 3 fois, je l'ai fait une 4e fois, puis le pays complet, c'est 2 affaires. Est-ce que moi, comme souverainiste, si je continuais pour le prochain mandat dont il parle, pas 2023, là, parce que moi, je ne suis pas un futurologue, là. Moi, c'est assez. Là, dire, OK. Là. Bon, c'est pas vrai, je poursuivais la dernière, ça, est-ce que je vais toujours prétendre, avec la connaissance que j'ai de ce que j'ai vécu, puis gardez bien ce que je veux dire, ça ne me dérange pas moi tout, là. Pourquoi que M. Couillard vient toujours sur la paire équation? Parce qu'il sait que ça fait image. Mais il nous parle pas du 17-18 milliards inutiles en armement. Donc, moi, le 9 ou 10 milliards de péréquation, je m'en fous, parce que c'est de l'argent de BS,
Puis c'est le grand frère qui me le met, puis il ne met jamais dans mes priorités, puis il le met sur le péage du pont, puis ainsi de suite. Puis on pourrait discuter des heures. Mais il ne me parle pas des 3-4 autres champlures à gaspillage. Si je fermais les 3-4 autres champlures à gaspillage, puis j'aurais le temps de l'expliquer. Parce que c'est sûr que ce Québec est complet, là. Je vous garantis qu'on ne discutera pas d'une guerre en Irak avec des soldats inutiles où on va tuer des vies, ça va coûter une fortune, puis ça donnera zéro au bout de l'été. Monsieur Gendron, un dernier, très vitement, Pierre-Carl Péladeau, député de Saint-Jérôme, très silencieux. Très silencieux. Très sage. Parce que il est venu moi, une vous d'autres. Je l'adore, un peu, dans, parce qu'on parle de la course. Oui. Mm-hmm. Il y a la sagesse de dire, j'attends les règles, je vais rendre public ou non ma participation un peu plus tard, quand les règles sont connues. Et là, j'écoutais les ex tantôt, puis évidemment, c'est une ex-libérale, on peut dire, oui, mais on ne l'a pas entendu parler. Bravo, c'est sage. Tu parleras quand tu auras décidé, je suis dans la course pour changer ça, faire ci, faire ça. Et là, il va devoir s'ouvrir sur le social, sur l'économique, sur l'éducation, oui, sur le culturel, parce qu'un chef qui aspire à être chef, il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'il y a dans les tripes. Monsieur Gendron, oui, exactement. C'est ça aussi que Monsieur Pierre-Carl, très, très, très discret, comme vous dites. Petit sondage qui s'est fait dernièrement, 53 ou 57 % qui mène, il ne parle pas. Jean-François Élisée, 3 % Benoît Drainville, 5 % etc. Fait qu'on regarde où la tendance. Il y a peut-être un bon message. Il y a sûrement un bon message. On va terminer avec cette course-là, parce que selon les experts, entre autres, on parle d'Éric Montigny, qui est directeur général de la chaire de recherche sur la démocratie, Emmanuel Choquette, politicologue chargé. Le conjoint de Marie Grégoire, pour ceux qui ne savent pas. Ah oui? Ah, vous l'apprenez? C'est pas j'adore. Marie aussi, Grégoire, qui est excellente. Aux ex, elle est vraiment excellente. Il est connecté sur la politique. Et voilà, exactement. Alors, il dit, lui, ces deux personnes-là disent que les enjeux de la course seront. Et très vite même, il va falloir que les candidats expliquent très, très, très bien la tenue ou non d'un référendum et à quel moment la question de nationale, l'identité du Parti québécois, la manière d'attirer les jeunes électeurs au parti qui ont fui ce parti-là, les 18-35, et la définition d'objectifs clairs pour une prochaine campagne électorale. Ce sont des thèmes qu'il faut absolument que chaque candidat aborde. J'endosse pleinement son diagnostic. Ce sont des thèmes... Il a raison. C'est des thèmes qu'il faut donner plus de chair sur le poisson pour faire des choix rationnels. Une population, quand il va à une élection, normalement, ça ne devrait pas être uniquement sur la base « j'aime mieux lui que l'autre, il parle mieux », mais sur la base d'un programme réaliste, pragmatique, qui rencontre les grandes orientations d'une société moderne, ouverte et progressive. Quand on regarde, M. Gendron, encore là, c'est hypothétique seulement, les personnes qui pourraient se présenter à la chefferie, on parle de Pierre-Carl Péladeau, Bernard Drainville, Jean-François Élisée, etc. Ce sont des personnes du parti directement qui sont députées. De l'intérieur. Est-ce que ce serait possible qu'ils en viennent de l'extérieur? Oui, mais je n'y crois pas. Ça serait possible, la question posée. Est-ce qu'il y a une possibilité? Ben oui, vous pourriez très bien décider que vous vous présentez. Non, mais je ne fais pas le film. Non, mais c'est ça, oui. Les règles vont permettre ça. Mais est-ce qu'il y a du monde de l'extérieur qui peut dire, moi, j'attends les règles, j'attends de voir le financement, j'attends de voir des éléments pour envisager de regarder ça? Oui. Par contre, avec ce qui s'est passé, puis là, des fois, c'est simple, des questions. Des fois, ça peut être juste un mot. Est-ce qu'il y a de l'appétit, beaucoup, dans l'opinion publique, pour nous, présentement? Non. Non. Est-ce que je dis ça me fait plaisir? Ben non. Je dis pas ça me fait plaisir, mais il n'y a pas un peu d'appétit pour nous autres. Sauf que, est-ce que ça peut changer rapidement quand on voit ce qu'on veut faire en santé, ce qu'on veut faire en éducation, les coupures paramétriques? Parce que des coupures, on est tout pour ça. Pour le vrai, il faut assainir les finances publiques. Mais pas d'une façon aussi radicale et sans jugement. Puis je l'ai déjà expliqué. Ça sera plus d'actualité de parler de ça. Exemple. Oui, on s'en vient. Une direction générale en éducation, est-ce qu'elle faisait un gros travail? Ben non, c'est tellement gros qu'elle ne peut pas rien faire. Une direction régionale en culture, est-ce que j'aimerais bien mieux la garder? Ben oui, parce que ça, c'est l'Outaouais qui va décider à notre place. Oui, exactement, parce qu'on envoie ça là-bas. Alors là, c'est juste pour vous expliquer que c'est pas pareil pantoute. Mais là, eux autres, ils ne sont pas occupés de ça, les rouges, là. Ils ne sont pas régionaux pantoute. Eux autres, ils ont dit paramétrique. Les conservatoires, on vient de mettre tout ça. Là. Combien de millions à Val-d'Or, mais oui. 6 millions à Val-d'Or, puis on fait ça. Parce qu'un cours de musique, ça peut se donner dans un sous-sol d'église. Voyons donc. Mais c'est quand même le raisonnement.
Monsieur Gendron, un autre article que j'avais pris dernièrement, quand on dit qu'il y a beaucoup de travail à faire à l'intérieur du parti, et l'article 1 du parti revient à l'avant-plan. On dit que le Parti québécois traverse une crise existentielle majeure. Il défend une idée que la majorité des Québécois, à tort ou à raison, rejette. On dit « vous allez au front avec cette idée et vous mourrez debout ou vous la mettez de côté ». Non, parce que c'est pas si fort que ça pour des raisons très simples. Vous-même, vous avez dit le contraire tantôt. Regardez bien, suivez-moi, par exemple, puis le monde aussi, j'espère. On ne peut pas dire d'un côté de la bouche, les Québécois n'ont pas ce qu'il faut. On n'a jamais parlé des grands enjeux. On n'a pas donné réponse à leurs questions. Puis en même temps, nous placardons ça. Dieu, le monde ne veut plus rien. Ils ne savent pas c'est quoi. On n'en parle c'est pas ça, depuis 95. On n'en parle pas, c'est pour ça ben que... voilà, donc c'est pas l'idée qui n'est pas bonne. C'est la pédagogie mal faite. De ne pas dire, si on prêche, pourquoi que le Québec devrait être une nation normale, puis vibrer. Êtes-vous au courant là, que dans les 40 dernières années, vous devriez lire ça, puis le peuple aussi, là, dans... Je lis beaucoup pourtant, M. Jean-Louis. Oui, mais dans l'extraordinaire documentaire de la Nation, okay. Sur le dernier référendum volé en 95, M. Bouchard dit très, très, très clairement, il y a eu une cinquantaine de pays qui ont obtenu leur souveraineté depuis ces années-là, pas 95, dans les 40 dernières années. Oui. Puis, il y a juste 3 référendums qui ont été négatifs. On ne parle pas de l'Écosse tout de suite, là, parce qu'il n'était pas dans la statistique. Il n'était pas là-dedans, là, de ce moment-là. Il y en a 2 au Québec, surtout. Donc, il y en a juste ça dans tout le reste du monde sur 40 pays. Qu'est-ce que c'est? Il faudrait se réveiller pour répéter des phrases comme ça. Ça doit être moderne en étoile. Comment ça fait que chez la planète, c'est moderne de se faire confiance puis se dire oui? Puis nous autres, non, nous autres, ce serait pas... Toujours sur la même base. Est-ce que oui ou non, est une nation distincte? Si la réponse est une nation distincte, il faudrait parler de notre distinctivité puis décider qu'on vit avec notre distinctivité, notre budget, on est responsable de nous-mêmes, on est assez mature pour établir nos priorités. Et est-ce que le Québec a le niveau d'économie pour faire ça? Bien, M. Charette, vous allez le dire à l'étranger 4 fois. 4 fois, oui, économiquement, le Québec est capable de s'autosuffire, oui, se développer. Ça, oui, bon. Oui, puis il n'est pas le seul à l'avoir dit aussi, Guinaudo. Monsieur Gendron, expliquez-nous une chose. Bernard Drainville, là, qui, franchement, il n'est pas dans la manche, lui, de Bernard Landry, est loin de là. Pourquoi que M. Drainville demande de prôner le retour à l'indépendance et exhorte les militants péquistes à mettre de côté la souveraineté au profit de l'indépendance? Simplement parce que dans l'opinion publique québécoise, tous les sondages, je fais vraiment s'enfarger dans les termes, la souveraineté politique, l'indépendance, c'est exactement la même chose. Drainville, comme pédagogue, je ne sais pas que je vous avec, je ne suis pas très d'accord là, de défendre rien, il prétend. Là, on enlève l'argument de nos adversaires hypocrites. Vous voulez séparer le Québec. Je vais dire pareil, il n'y a pas ça. Là. Oh, oui, c'est mais, sûr. Mais c'est juste, regardez, je viens de répondre à votre question. C'est juste cette petite subtilité-là insignifiante, en prenant le vocabulaire qu'ils souhaiteraient comprendre. C'est l'indépendance que vous voulez. La réponse est oui. Puis fini. C'est réglé. Pareil comme sur la tête. Et à mon avis, c'est plus clair aussi de même. Oui. Parce que là ce n'est adopté. Pas là, avec la souveraineté. On veut l'indépendance, c'est oui, l'indépendance que l'on veut. Un pays complet, okay. Là, ça s'appelle sa souveraineté totale, puis ça s'appelle l'indépendance nationale du Québec. Monsieur Gendron, commission de revision permanente des programmes, oui. Son rôle et son utilité, est-ce que c'est vraiment utile? Non. Mais est-ce que c'est utile d'avoir pas une commission permanente avec les salaires qu'on paye, puis les spécialistes, bon, ils ont tous les fonctionnaires. Est-ce qu'il est utile que chaque ministre responsable, en début de mandat, demande, pouvez-vous me montrer là, l'ensemble des programmes pour lesquels je suis obligé d'aller me chercher des crédits au Trésor? Première affaire. Deuxième affaire, à chaque année, obligation par le vérificateur général que chaque ministre démontre au vérificateur général qu'il a réapprécié tous ses programmes. Autrement que ça, pas de crédit. Alors, je te dis qu'il le ferait tout. Pour moi, de commission, si on fait ça de même. Autrement dit, ce qui est bon là-dedans, c'est l'idée, monsieur. C'est l'idée qui a. L'idée est bonne là-dedans, là, que ça évolue tellement vite. Une société, les programmes, la longévité, l'espérance de vie. Écoutez, les rentiers, oui. Ça n'a pas de bon sens, là. Oui. Dans le bon sens. Donc, il faudrait ajuster l'appareil de l'État, mais le faire par des mécanismes internes.
Parce qu'il y a des programmes dans ça qui ont été mis sur pied il y a peut-être 10, 12, 15 ans qui ne sont plus adaptés à la réalité du milieu aujourd'hui. Donc, ces programmes-là devraient peut-être disparaître, faire place à d'autres peut-être aussi. Mais c'est marqué, il y a une réforme à faire. Il y a une nécessité de reviser des affaires. Absolument, parce qu'il y en a qui sont pas assez dates. Non, il n'y a pas d'excuses là-dessus. Là, on est dans le ton, là. Monsieur Gendron, le Parti libéral va aller chercher 3,2 milliards d'ici la fin de 2015-2016. Fait qu'on n'a pas fini d'avoir des coupures. On en a eu en santé, donc on va en avoir en santé. Ben, vous n'avez pas fini. C'est pour ça que vous connaissez un peu. Vous connaissez, vous l'avez trouvé de lire pour le vrai, là. Mais regardez, finances publiques, quand on va chercher d'avoir ces 3,9, ça c'est le ministre. 3,9. Non, mais c'est le ministre qui a dit ça, là, à plusieurs reprises. Il a rencontré la CRIF, c'est 3,9. 3,9, c'est 4. C'est juste pour retenir ça. Êtes-vous au courant que 4, quand tu as 70 % que tu ne peux pas toucher parce que c'est les conventions collectives et les salaires? Oui, exactement, oui. Vous avez une idée que ça fait un étoile de grosse bouchée. Oui, mais tout le monde veut faire un grand ménage dans la fonction publique. Le Parti québécois a dit qu'il le ferait. Il ne l'a pas fait ou à peu près pas. Le Parti libéral, ça fait 2-3 termes qui dit « on va faire le ménage dans la fonction publique, qu'il y a trop, ça coûte trop cher, etc. » Puis quand on arrive pour y toucher, on recule. Vous avez déjà touché, vous autres, en 1980, aux conventions collectives. Ça vous a coûté quoi? Oui, ça vous a coûté le pouvoir. Voilà, exactement. Mais on a sauvé le Québec. Mais quand même, une fois, puis amical toujours, vous dites, d'abord, on a été 18 mois au pouvoir. Fait que c'est pas vrai, nous autres, qu'on a augmenté la dette de 30 milliards. Autrement dit, là, c'est ceux qui essayent de nous imputer que la bouchée grosse comme ça, là, c'est sur notre responsabilité. Je regrette, ça, c'est vous dire... Comment ça se fait, vous, qu'à votre âge, vous ne portez pas de lunettes? Je l'ai avoué, vous les avez dans la figure. Donc, je vous mentirai en pleine face. C'est ce qu'ils sont en train de faire, là. C'est pas vrai qu'on est responsable de cet endettement-là. Vous dites, on a essayé de le faire. On n'a pas essayé, on l'a fait. Oui, mais c'est sur le bout des doigts, sur le bout des pieds. En 18 mois, on ne peut pas le faire. Non, mais je parle aussi antérieurement, vous êtes assis. Non, antérieurement, hey, c'est gros en étoile. Oui. Bouchard l'a fait. Rémiard, par ailleurs, voyons, M. Couillard, ça fait 4 fois qu'il dit ça. La crise est pire que quand Bouchard a fait le déficit zéro. C'est faux, mais il dit ça pareil. Donc, au moins, c'est pour prouver qu'il l'a fait. Deuxièmement, vous venez de nous citer en 85. Il reste une minute. Oui, on l'a fait. Alors, nous, on n'était pas au pouvoir. Souvent, on l'a fait 2 fois. 30 secondes, M. Gendron. Ah non, je ne parle pas de ça. Je vais plutôt parler de l'événement triste qui est soutenu notamment longtemps, le décès de notre grand ami Ulrich Chérubin. Oui. Ça, c'est triste, c'est vraiment triste. C'est très triste, ça fait beaucoup de la peine parce que s'il y a quelqu'un qui avait démontré avec énormément de niveau d'humanité comment une charge publique pouvait s'exercer, c'est bien notre ami. Voilà. Et ça, il se plaisait toujours à rentrer ici dans mon studio en disant « mon ami Gabi », et je l'appelais « mon ami Ulrich ». Oui. C'était ça. C'était humain ça, à mort, généreux du cœur, un homme extraordinaire, un géant du monde musulman. Voilà. Et j'aimais mieux parler de lui que de parler de M. Mario Beaulieu. Merci beaucoup, M. Gendron, de votre visite dans nos studios. Ça et on se reprend. Merci beaucoup, M. Gendron. Je ne pensais pas qu'on s'assine. On met les points sur les bords chétés. Voilà, exactement. Merci, M. Gendron. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rend rendez-vous à une prochaine émission de « On s'en parle ». Au revoir et bonne semaine.